Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules informations sur Immigration Canada que cabinet d'immigration résidé au Canada porté pour vous et qui est présenté par Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Mesdames et messieurs de vos chefs, bien le bonjour, bien le bonsoir. J'en ai dit l'identité, nous pourrons le développer pour vous. Donc, information qui t'a fait comprendre que le Canada lui-même, l'IPRAL, ouvre un programme 23 septembre en cabinet là. Donc, nous saluons tout le monde indistinctement. Merci le fait que vous choisissez Radio Intervalle pour amuser ou pour informer également. Et puis, nous demandons tout le monde qui a suivi l'émission, ça aidez-nous. Partager live là, mes amis, de façon à ce que pour nouvelle là, les capables d'arriver plus loin possible, surtout dans la question immigration, côté que il y a un paquet de monde qui a fait être passé pour des experts, donc tout pas aucun problème avec des monde qui a des informations, même parce que chaque monde est supposé respecter les limites. Donc, qui sa information y est, le gouvernement du Canada, mes amis, pas ouvrir aucun programme. Pour moun vin appliquer le 23 septembre cap vini là mais qui j'en programme lui-même li chapoté d'ailleurs c'est un programme qui était là déjà OK c'est un projet pilote pour les employeurs reconnus ça veut dire un projet pilote pour les employeurs reconnus ça veut dire que programme ça li destiné à employeurs yo. OK donc question yon moun ki a l'étranger pour parer les affaires pour vendre ti bête ou cabrite mbaronin bœuf pour faire valise pour l'appliquer dans programme nan commencer préparer CV c'est pas comme ça ça marche le Canada c'est un pays qui a fait face à yon gros difficulté dans question main d'œuvre yo pas capable de joindre moun pour venir travailler ici. Eh bien, dans ce sens, le gouvernement lui-même qui s'en fait, lui permet à des employeurs pour recruter des étrangers. Ça veut dire, monde qui n'est pas canadien, qui n'est pas résident permanent, pas bon ici, qui est à l'étranger, lui permet à ce que monde ça vienne travailler. Parce que j'aime toujours dire, en matière d'immigration, gouvernement yo OK m'a pas parler uniquement du Canada m'a pas parler de tout l'autre pays nous connaît cap chercher moun tankou et Australie Nouvelle-Zélande et la France les États-Unis et ben pays ça yo c'est tankou père de famille mère de famille que yo yé donc travail qui gagne dans pays ça yo li réservé pour citoyen pays ça avec moun ka vive légalement. OK, c'est si au pas qu'ajoute moun le ça y a et fait appel à des étrangers. Et ben le gouvernement du Canada qui voit que li très difficile pour employeur ça yo même yo combler des postes et ben ça le fait, li dit et ben yo employeur ou même sou pas capable joindre yon citoyen canadien, yon résident permanent, yon demandeur d'asile qui gagne un permis de travail. Yon étudiant qui gagne un permis de travail pour faire travail ça et ben n'a ba ou autorisation pour aller chercher moun de yo pour venir faire travail. J'en dis à gouvernement c'est comme yon père ou encore mère de famille ou même en tant que parent ou c'est maman ou c'est papa ou gagne deux petits moun la caillou. OK. Sou gen manger pour bail. Qui est moun ou bail manger avant? Est-ce que ces petites voisins ont bien mangé? Est-ce que son petit monde qui passe dans la rue a bien mangé? Ou du moins ces petites pauvres qui n'ont qu'à l'avoir ont bien mangé? Si vous êtes ou bien l'autre monde. Mais en immigration, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, comme si vous pouvez chercher des gens à l'étranger pour venir travailler. C'est parce que vous n'avez pas joué de monde ici. Depuis que vous avez joué de monde, vous n'avez pas fait appel avec vous. Eh bien, le gouvernement dit comme ça que le conseil de l'employeur qui est même. Pendant les derniers 5 ans, ils ont utilisé le programme ça, qui c'est programme des travailleurs étrangers temporaires. Programme des travailleurs étrangers temporaires. Ils n'ont pas capable de jouer le monde ici. Ils ont fait une démarche légale. Ils ont demandé au gouvernement autorisation pour aller chercher le monde à l'étranger. Et pour l'employeur lui-même, là, chercher le monde, premièrement, ça, il est supposé faire, il est supposé poster le job là. Sur Job Bank, j'en vous dis en anglais, ou encore Guichet Emploi en français, qui c'est site officiel du gouvernement du Canada. Si mon au Québec, il peut aller emploi Québec ou du moins Québec.ca pour le poster. C'est en condition sine qua non, il faut mettre le job là disponible pour
les Canadiens, les résidents permanents ou bien monde qui autorisé pour travailler par bon ici. Non seulement l'on fait ça, faut ou interviewer des monde qui posé et qui appliqué, qui voit CV yo, yo n'a pas répondre à critères. Ensuite, yo mandé faut qu'on fait publicité, par exemple dans journal, dans télévision ou encore dans radio ou encore sur des sites spécialisés pour ça. Et ben l'on prend toute preuve ça yo, après un nombre de temps ou pas qu'à joindre monde ici pour faire job là. Et ben employeur ça lui-même li gagne pour appliqué auprès du gouvernement fédéral à travers Service et Canada pour demander autorisation ça. Autorisation ça relé étude d'impact sur le marché du travail ou encore en anglais il relé LMIA. OK, c'est Labor Market Impact Assessment. OK, LMIA, LMIA. Labor Market Impact Assessment ou encore EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Eh bien, c'est autorisation ça, le employeur lui-même, joigné, qui ballon feu vert pour le capable offrir un étranger un job pour venir à bord ici. Tout autant qu'on employeur pas gagné, il pas capable offrir un job. Nous sommes dans le cabinet, hein, gagné, un employeur ici qui te voulait embaucher, un monde qui est en question, landscaping, ok, mon cap coupé zeb qui Bahamas. Eh bien, mon sa li offre le job là, li dit mon nan appliqué pour faire mes travail. Ben le mon nan checké, me dit mais est-ce que employeur ça li même li gen autorisation? Me dit fais me parler avec employeur parce que moi même pas qu'à prendre job là nan mon. Parce que si me pas un document ça, me connaît à refuser demande là. Eh bien, le me parler avec employeur, li dit ah, trop l'argent pour le dépenser pour le faire monsieur Vini. Donc, si le cas appliqué, appliqué comme ça. Vous pouvez imaginer, monsieur, c'est un site, là, qui a procédé à des CV, qui a cherché un job pour le monde. C'est vrai, il a offert le job là, mais l'employeur a une qualité pour le faire venir. Aussi simple que ça, parce que l'employeur, l'homme dit, mais qui ça pour faire 1, 2, 3, 4, il dit, ah, trop l'argent. Donc, il y a un employeur pour le bar un job, il faut qu'il y ait une autorisation ça. Je vais répéter encore. L'IVLE EIMT, étude d'impact sur le marché du travail. Et application ça a coûté 1000 dollars canadiens pour le gouvernement lui-même, il traite. Et le gouvernement traite, il n'a pas approuvé l'employeur. L'agence a perdu. Frais de traitement, il n'est pas remboursable. Si l'employeur ça lui-même, il voulait faire 2 mouns venir, il va payer 2000 dollars. S'il voulait faire 10 mouns venir, il va payer 10 000 dollars. C'est avec cette autorisation, l'employeur lui-même l'a capable de barou ou du moins offrir un job. Donc, les lui offrir un job là, c'est à partir de ce moment où l'on est capable d'appliquer pour permis de travail en tant qu'étranger, ou l'on gagne offre d'emploi, ou l'on contrat d'emploi pour signer avec, plus documents ça que le gouvernement lui-même li bali pour mettre dans l'application là. De qui prévient, de qui manigance, ou même qui est à l'étranger, ou pour l'appliquer pour permis de travail. Au moins, il faut gagner ça. OK? Il faut gagner un contrat d'emploi. Il faut gagner étude d'impact sur le marché du travail. Une décision positive. Eh bien, le gouvernement lui-même, ça le fait. Lui remarque, OK? Le processus là vient prendre trop de temps. Lui dit, un employeur, pendant les derniers 5 ans, ça a eu, qui a eu chance de joindre 3 EIMT positives, étude d'impact sur le marché du travail, lui dit, n'a pas simplifié le pour employer ça. C'est pour ça vous venez avec ce projet pilote qu'on appelle projet pilote pour des employeurs reconnus qui a commencé en septembre 2023. Pas de question 23 septembre. En tout cas, si le ministre n'a pas parlé ou du moins son monde deal, mais loi les sur le site gouvernement, il n'a pas dit si c'est 1er septembre, il n'a pas dit si c'est 30 septembre. On a mentionné uniquement le programme ça a commencé septembre 2023. Je dis encore, c'est pour des employeurs qui ont même, pendant les derniers 5 ans, ça on a parlé 2018. Ok, septembre 2018, à journée aujourd'hui, tu as gagné 3 EIMT positives. Je vais t'expliquer nous là, dans quel contexte pour un employeur, ça lui-même, il était appliqué. Et l'a capable, ok, offrir un job, il a toujours demandé EIMT pour lui.
mais il a simplifié le poli parce que il vient faire le confiance et pendant dernier 5 ans ça a eu 3 EIMT. Il était fait mon rentrer, mon était respecté conditions, il pas maltraité mon, il était bien payé. Gain un bon enquête yo fait sous compagnie ça. Donc cette question mon Abdou préparé pour appliquer, mais appliquer qui côté? Ou pas qu'à appliquer sous pas gagner et un contrat d'emploi, un offre d'emploi ou signer un contrat avec employeur, employeur lui-même avant lui offre au job là. Faut qu'il fait ça ou même là, faut le prouver à gouvernement pendant cinq dernières années, il a eu 3 décisions positives qui te prend en faveur parce qu'il te fait des moun vini. Et attention, moun sa yo, faut que c'est nan, comme tu disais, moun li vle embaucher kounya, faut que c'est nan même poste li te joine et décision positive pour yo pendant les derniers 5 ans. Ça très important. Son programme qui gagne 2 phases. Première phase a commencé en septembre 2023. Tenez bien, septembre, m'a dit 23 septembre parce que m'a roué moi-même. OK, en septembre 2023. Yo visé moun qui pral travail avec bête. Bah connait est-ce que moun sa aussi bête ou pral bay manger? Je sais pas. OK? Ben gen moun qui dit c'est moun qui pral ramasser caca bœuf. Je n'ai aucune idée, mais c'est moun qui pral travail avec du bétail. Ensuite, ou je n'ai moun tout qui pral travail dans la question récolte. Moun qui pral récolter, par exemple, t'as des fruits, légumes, moun qui pral récolter tomates, qui pral cueillir tomates, pommes, pas oublier employé ça lui-même, fuck, pendant les derniers 5 ans, ça au moins il te fait 3 moun vini. Ok, il dit au moins 3 EIMD. Positive étude d'impact sur le marché du travail. Sinon, il n'est pas capable d'offrir emploi dans le cadre du programme. Ça. J'aime dire, c'est simplifié pour l'employeur. Deuxième phase programme, non, l'a commencé. Avant, il faut me dire que si on a changé un permis de travail, il y a baoul pour 3 ans, 36 mois. Ok? Donc, c'est dans ce sens où tu as dit, ok, ou avez un permis de travail pendant 36 mois, c'est vrai que l'on vini pas bon ici, ou capable d'organiser après pour être sur carte de façon définitive. Donc, ou capable qu'on est entré dans l'autre programme, chercher un monde qui connaît, ok, qui capable d'expliquer qui ça pour faire une fois que ou ici avec un statut de travailleur étranger temporaire. Ou avez besoin d'un permis de travail de 36 mois, 3 ans. Ça, c'est première phase programme. Deuxième phase programme, lui-même, il a commencé en janvier 2024. C'est même condition. Il faut que pendant les derniers 5 ans, le gouverneur employeur, ça lui-même, il a gagné 3 EIMT positives. Donc, puisque il a commencé en janvier 2024, donc il n'a pas commencé à compter. Donc, de janvier 2019, à janvier 2024 qui baille 5 ans, est-ce que l'employeur ça lui-même li te gagné pour plus petit 3 EIMT. Donc 3 autorisations. On simplifie le comme ça. 3 autorisations pour le fait des employeurs vini. Et en janvier 2024, OK, yo pral prend plus moun. OK, non seulement moun mo te parlé là yo qui travaille la question bétail, élevage, mon cap travail, la question récolte, tout ça. Mais yo pral prend l'autre monde comme docteur, ingénieur, architecte, infirmière. Donc, gen un bon professionnel qui yo même ap capable bénéficier de programme ça. Si toutefois, m'a répété li, employeur ça. Lui-même, li te on dit par exemple un employeur qui besoin yon aide soignante, ça ou les préposés aux bénéficiaires par bon ici, ou encore yon monde qui sont architectes. Mais faut que pendant les 5 ans, c'est-à-dire de janvier 2019, ok, à janvier 2024, au moins il te embauché 3 moun. Non, même pour ça, pour capable simplifier le pour lui. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Cette question, mon a fait être nous chaud.
ranger ti valise nous, ranger CV nous pour nous appliquer, pas de problème à ça. OK, faut ton cabane nous avant dormir dans géo. Mais fais en pile attention avec moun qui promet nous monts et merveilles. Je l'ai toujours dit, l'immigration c'est pas un bagage qui facile. OK, il est pas facile par le fait que immigration il fait appel à une série de monde, c'est si toutefois monde la caillou pas ka fait job que yo gagne. C'est pas parce qu'on belle femme, c'est pas parce qu'on son beau garçon qui fait que gouvernement a ouvert vente li pour entrer pour venir travailler. C'est parce que le besoin force pour être, le besoin connaissance. Rien n'est gratuit, je toujours dis ça. Même bonjour au monde dit, surtout en Amérique du Nord. Ou met attend nous la demande information quand même. N'a besoin monsieur ou encore madame, m'a chercher tel magasin, m'a chercher tel, ou ka di m ki côté lieu. S'il pas besoin information dans mon, li pa tap dou bonjour. Et mais en Amérique du Nord c'est comme ça. Rien pas fait pour rien. OK. Donc, même bonjour au monde dit, c'est pas gratuit. La demande un service quand même. Alors, mes amis, c'est ça. Information liée, le gouvernement fédéral du Canada à partir de septembre 2023 a allégé, incapable dit, processus d'embauche des travailleurs étrangers temporaires pour des employeurs qui eux-mêmes te joignent pour pipiti 3 autorisations pendant les 5 ans pour faire travailleurs étrangers temporaires entrer. C'est le employeur ça lui-même. Les fins gagnent autorisation. Tenez bien. Les te gagnent 3 autorisations pendant les derniers 5 ans. Si le besoin de l'autre monde, la fond de l'autre demande, il y a simplifié le boulot. Bagaille va le faire plus rapide pour l'employeur. Une fois que le gagne ça, le sal capable de proposer un job, il va offrir un job. Et puis, si on contrat de travail ensemble avec elle, la besoin maintenant ou capable d'appliquer pour permis de travail. Parce que le employeur lui-même, la bambouche ou li pas responsable pour payer permis et les frais de traitement de travail. C'est ou même. Okay? C'est vrai que le gouvernement fait ou des exigences. Il faut que vous payez bien. Okay? Ce n'est pas parce que vous sortez à l'étranger pour vous penser que vous payez n'importe qui genre, parce que vous sortez en Haïti ou du moins vous sortez en Afrique. Non. Il y a payé ou même gens qui ont payé un monde qui était ici, qui était un Canadien. Ok? Mais ça arrive que gagne des employeurs qui tellement besoin de monde dit bon, OK, pas de problème, m'a payer toute bagaille pour. Employeur gagne des frais. Il est supposé payer légalement ou même qu'a accepter job là gagne des frais tout ou obligé payer. Moi dit lui encore, ça arrive qu'au jeune employeur qui dit ah, OK, m'a tellement besoin ou pas besoin payer 50. M'a payer frais pour, m'a payer billet, m'a payer tout et tout. OK? Donc, employeur ça lui-même, m'a prend un exemple un monde qui dans soudure. Donc, monde qui c'est soudeur, il y a une crise. Il y a pas qu'à jouer de monde pour souder d'abord ici. Me songe gagné quelques mois de cela, il y a une compagnie qui t'ai contacté nous-mêmes dans cabinet parce que faut me rappeler tout le monde, cabinet d'immigration résidé au Canada, non seulement lui aider les monde remplir question immigration. Formulaire dans question immigration, mais les gain autorisation tout dans le gouvernement du Québec pour aller chercher des employés à l'étranger pour des employeurs. Nous-mêmes, ça nous dit, nous pas chercher job pour monde. Un monde qui est à l'étranger qui t'a dit, OK, besoin d'aider, me chercher un job, nous pas fait ça. Par contre, pour des employeurs, nous chercher des employés. OK? Alors, m'a mettre le plus simple. Donc, nous pas chercher et employeur pour employé. Mais nous cherchons employé pour employeur. Ça veut dire. Ça veut dire que nous-mêmes, si on compagnie checké, nous lui dit nous besoin 4 soudeurs, et bien nous-mêmes, le ça, n'a fait publicité, nous n'allons derrière un soudeur. Mais si on m'a dit nous lui dit nous comme ça, que le darémen, on m'étudie soudure, nous allons chercher job pour nous. Il y a une autre compagnie qui fait, mais nous-mêmes, à travers le cabinet d'immigration résidé au Canada, nous avons permis nous, sur un intervalle recrutement qui est délivré par
CNESST ici au Québec. Les nous joignent contrat dans mes gouvernements, pardon dans mes employeurs, le ça nous fait publicité. Par exemple, soit aller sous Immigration Canada recto verso et environ 6 mois de ça, on pourrait nous fait des vidéos côté que nous dit n'a chercher une série de monde. Et bien nous dit n'a chercher monde parce que nous gagne job là déjà. Mais nous pas dit monde nous va chercher job pour pendant ce temps. Bon, OK. Comment me faire dire monde va chercher un job pour alors c'est pas moi cap beau job là. OK. Moi m'assurer d'abord compagnie les besoins monde et puis nous faire publicité pour ça. Donc une compagnie qui dans une terre bonne qui t'a contacté nous pour te joindre des soudeurs. Qui pas tant pile c'est 4 soudeurs. Mais il est précis. Il dit moi même besoin soudeur ça au cap sorti. Soit Tunisie, soit Philippines ou encore Bangladesh. Donc, le ça, ou il a toujours dit en créole, l'ouvrier travaille, un goût mettre lui. Mais nous-mêmes, nous avons le choix. Nous devons viser pays ça pour nous joindre, nous devons demander nous. Donc, voilà. J'en dis, c'est de ça que les questions, pas gain-gain à faire et immigration pour un nouveau programme. Mes amis, font pile attention. Il y a pile monde sur internet qui a cherché couper kounou pour prendre code. Il y a des fraudeurs. Il y a des arnaqueurs, c'est ça ils ont fait. Et ils ont pas jamais demandé un pile l'argent, ils ont demandé un petit crascob et puis ils déchetel. Comme ça tout conseil de monde sur internet qui pas besoin l'argent nous, mais qui a juste ban nous des informations sensationnelles de façon à ce que pour augmenter le nombre de views que vous gagnez pour capable de monétiser. Tenez bien. Gagnez des arnaqueurs, gagnez des fraudeurs, cap dit nous des bagailles, cap mandé nous l'argent pour casser point nous. Comme ça tout conseil du monde, c'est views seulement et yo besoin, yo pas bien maîtriser domaine immigration hein? Et puis yo la gon titre sensationnel de façon à ce que ou même pour capable garder vidéo comme nous fait expérience surtout dans nouvelle monde cap suivre nouvelle sur politique dans pays d'Haïti ou bien on a la bon titre il dit oh tant le bagage ça pense ça ça t'est arrivé ou même on dit tout le temps ou pour regarder vidéo et ben tout fait views avant et tout fait et puis pendant que on regarde il gagne des vidéos pardon il gagne des publicités qui passe et tout monde dit elle alors que l'offre regarder vidéo ouais petite vidéo avec contenu qui pas correspond. Mais c'est même gens tout en immigration conseiller de monde qui allait sur site immigration ou en communiqué parce que monde n'a pas les français bien ou du moins s'il parle anglais bien les juste traduire. OK? Mais gain monde non seulement il fait traduction, il met d'affaire pas yo. Juste pour montrer que c'est un bagaille sérieux qu'il a dit. Et penser que mon ça au méchant. Oui, m pa gen aucun problème avec des monde qui besoin des views. Ou capable jwenn un article, ou capable jwenn un article, ou capable jwenn un document. Ou présenter le bay moun yo. Ou toujours faire views là, ou toujours ka monétiser, mais pas bay menti la donne. D'ailleurs, c'est pas tout monde qui connaît puis à ce site là, ou même sou getan wel. Mais ben, dit exactement ça que la donne là. Pour qu'ils soient obligés de passer gagnant. Je pense que ça c'est méchant et ceci très méchant. Donc, gen moun qui va au courant ou même ou au courant ou l'île pour yon. Et d'ailleurs, soit appelé bien sur site immigration. Il y a toujours dit comme ça que information yon mette à la requête portée juridique. Il y a juste mette juste pour contre-oisi. Il va t'obliger à faire ça. Parce que l'immigration dit si vous voulez capable de faire demande ou pour contre. Et il y a pile monde qui toujours prend la trappe niveau ça. Puisque l'immigration dit que je suis capable de faire pour compte moi, je suis intellectuel, je parle français, je parle anglais, je suis varé. Et bien, il y a pile monde, excusez-moi, qui casse dans le sens ça. Parce que vous parlez français bien, vous parlez anglais bien, il y a le rempli pour compte yo. Si pas mal, ou font et ouais. Il rejette demande ou encore il refuse elle. L'immigration finit de le refuser. La brale est un article dans la loi immigration. La brale est un article dans le règlement. Pour dire que c'est en vertu de tel article
ou pas répondre à condition en vertu de tel article dans loi, en vertu de tel article dans règlement, ou pas répondre à condition ça, eh bien, moi refuser demandant ou encore moi rejeter. Moun sa qui parle français bien, ou du moins qui parle anglais bien, là, il y a les articles là et bali. C'est tête li ou la gratté. Même si la li article là, li gen pile chance pour pas comprendre rien la donne. C'est clair parce que le droit gen jargon. C'est même Jean moi-même fait étudiant droit en communication, en informatique. Même pas qu'on a rien en question mécanique. Bah qu'on a rien la question médicale moi-même. Bon mon bagage là, si l'écran bon français anglais m'a comprendre, mais je peux pas l'interpréter parce que m'a gen background moi dans domaine là. Et ben wap je moun ça qui lui-même son premier ang jodia qui parle français qui parle anglais bien, mais cool tombe sur article qui dit mais pour qui ça nous refuser, li pa ka comprendre ni le ça ou même ou pas gen le choix que à joindre un professionnel dans le domaine là. Parce que moi même toujours rappeler pour tout le monde qui fait droit, en fait toujours rappeler pour monde qui pas fait droit, OK, l'on fait droit mon coup spécial yo bay ki les interprétations des lois. C'est pas parce qu'on sont intellectuel ou qu'on parle français ou qu'on parle anglais qui fait qu'on ka marronné ou qu'on comprendre un texte de loi. Bon, si vous permettez que mon vous parenthèse et fermez tout de suite. Et même dans la question de la Bible. Vous pouvez parler français bien. Eh bien, vous verset là. Et mon ami qui a l'étude théologique pour interpréter. Pour décortiquer le bout. Parce qu'on parle français pour comprendre la Bible là. Pour les chrétiens là. Donc, mon qui croit là-dedans. Mais c'est exactement la même chose, oui, en droit. Ce n'est pas parce qu'on parle français qui fait que vous capable d'interpréter un article. Dans la loi immigration. Alors mes amis, fais en pile attention. Même toujours dit, nous-mêmes dans le cabinet, nous faisons capsule vidéo pour aider. Ou pour obliger de prendre service. Non, mais nous, si vous prenez l'abdo, merci beaucoup. Ça permet que nous gagnions quelques dollars en plus dans la poche. Nous. Mais pour obliger de prendre service, non, mais nous conseillons de prendre service dans un professionnel. Je répète, je dis ça dans la vidéo. L'homme malade, c'est qu'il y a docteur aller ou pas aller qu'il y a un soudeur ou pas aller qu'il y a un bois chapante ou pas aller qu'il y a un ingénieur. L'homme malade. Et bien, si vous avez besoin de construire un caï, je suis sûr que vous ne pouvez pas aller qu'il y a un docteur ou pas aller qu'il y a un médecin si vous avez besoin de construire un caï. Et bien, si vous avez besoin des informations, si vous avez besoin de présenter une demande en bonne et due forme, en immigration, il faut aller jouer un professionnel. C'est peut-être ça, Lila. D'ailleurs, si professionnel, ça n'est pas important, d'après vous-même, vous pensez que l'État a bayo accréditation, pardon, pas ici au Canada. Pour mon avocat, ici, c'est pas même avec Haïti, mon nom fait philo et puis demain matin, on est dans l'école de droit. Là. Non, c'est pas comme ça ici. Les gens qui finissent les secondaires 5 ans, il faut qu'ils aient un diplôme d'études collégiales, au moins 2 ans. Conjoint en histoire et tout ça. Quand ils disent qu'ils finissent l'école, ils font DEC. Ok? Au moins 2 ans. Ça arrive que les gens font DEC dans la technique juridique. Ok? Ça arrive, c'est 3 ans que lié. Au moins 2 ans d'études que j'ai fait, ils finissent étudier et ils finissent études classiques. Et puis c'est après, les pral appliquer dans la faculté de droit ici. Et puis le pral passer 3 ans. Donc soit compter les gens fini l'école, avant le vin avocat, en fait, pour le vin juriste, leur étudier droit, ça va aller 12 avocats pour ça. Ça fait 5 ans. Et puis leur fini dans l'université, au pral étudier. Pour aller passer examen barreau. Et c'est barreau à lui-même qui a barreau. Bah, on a une carte de reconnaissance ou capable de fonctionner comme avocat. C'est pas parce que vous étudiez droit. Non, là, vous étudiez droit, vous êtes juriste. C'est même avec médecine.
depuis mon étudier la médecine, ça parle de son médecin pour ça. Faut qu'on passe examen l'ordre des médecins pour reconnaître tout comme médecin. Même bagaille pour les infirmières, ou capable pour un coup, maintenant on fait 3 ans, 4 ans, ou étudier sciences infirmières, mais faut passer examen l'ordre des infirmières à la rue, ou des infirmiers. Oui. Donc, c'est comme ça. Alors, je pense que c'est ça, je voulais dire non, sous question, programme ça qui a fait la une de l'actualité, côté que Yodi Canada après l'ouvrir. Il y a un nouveau programme. Et puis, comme nous connaissons, moi-même, moi fais des capsules de vidéos côté que j'ai des informations sur l'immigration canadienne. Tout ça, je dis là, je dis dans la vidéo. Allez sur Immigration Canada recto verso, côté que vous avez une chance pour capable ouais et vidéo ça, côté que moi-même, moi bail plus de détails. Donc, l'autre bagaille. Gagnez et y a un monde qui a suivi moi sur YouTube qui pose en question. Gagnez y a un organisme qui désigné par le gouvernement fédéral du Canada pour faire évaluation des diplômes. Monde qui voulait entrer dans programme Entrée Express là, ok? Entrée Express, c'est programme ou encore c'est plateforme que le gouvernement fédéral du Canada lui-même l'a utilisé pour le capable faire des travailleurs étrangers. Vini par Boysit, c'est une dame. L'étape essayer évaluer diplôme. Apparemment, elle étudie dans sciences administratives en Haïti. Alors, pas besoin de citer non l'école là. L'étape laisser faire évaluation diplôme non, dans West, qui c'est World Education Services. Et il faut dire que le gouvernement Canada lui-même lui gagne environ 5 organismes que lui baille autorisation. OK? Pour capable évaluer diplôme yon moun. Eh bien, World Education Services lui dit comme ça que lui pas capable évaluer diplôme l'école ça. Je pense que c'est très important l'on parle dans l'école pour nous assurer que l'école ça lui-même. Bon, par contre, l'école ça a un droit reconnu en Haïti, mais pour une raison ou une autre, Mounsa n'est pas capable d'évaluer diplôme. Ni. Mais comme le gouvernement lui-même, il a 5 organismes, et puis, moi, dit d'abord, ça est capable de faire, choisir un autre organisme pour est-ce que la bien chance pour faire évaluer diplôme. Ni. Donc, m'espérer que la joigne une solution. Sinon, c'est quoi le temps perdu? S'il n'est pas capable d'évaluer diplôme, ni, il n'est pas jamais capable et utiliser diplôme ça pour venir ici au Canada. Donc, je pense que c'est ça. Autre chose, toujours travailleur qualifié, cette fois-ci au Québec, la belle province, gagne le gouvernement provincial du Québec, qui lui-même voyait 1384 invitations 10 août dernier by des candidats qui étaient dans la banque de candidats, je suis capable de dire, qui étaient dans le bassin et Arima. Pour capable appliquer pour certificat de sélection du Québec. Nous pas dit résidence permanente parce que au Québec, faut que Québec sélectionne d'abord avec sélection Québec là qu'on y a capable appliquer pour la résidence permanente au Canada parce que l'immigration lit de compétences provinciales au Québec. Faut Québec ba un moupal d'abord. Faut Québec d'accord pour venir habiter sous territoire là avant. Et puis après, on peut aller au fédéral pour demander résidence. Et puis au fédéral, il peut aller checker et background, on peut dire background médical ou il faut passer un examen médical. Ensuite, il y a un certificat de police dans tout pays que où tu vives après l'âge de 18 ans, de pour te faire plus que en fait pour petit 6 mois après l'âge de 18 ans dans tout pays où tu vives pour petit 6 mois après l'âge de 18 ans, faut qu'on bail un certificat de police. Donc le gouvernement fédéral est responsable de ça. Et bien dans Arima, pour monde qui pas connaît Arima,
c'est plateforme que le gouvernement québécois lui-même l'utilise pour sélectionner des travailleurs étrangers. C'est presque même bagaille avec Entrée Express. Entrée Express, c'est monde qui voulait venir au Canada mais pas au Québec. Et puis Arima, c'est pour monde qui voulait venir au Québec en tant que travailleur qualifié. Donc les mêmes monde qui voulait venir au Canada, donc Entrée Express, monde qui a venu comme travailleur qualifié ou encore qui gagne des métiers spécialisés comme soudeur, plombier, électricien, monde ça eux même depuis ils voulaient aller dans 9 autres provinces avec 3 autres territoires, il a passé par Entrée Express. Mais si vous décidez de venir au Québec, faut que vous passez par Arima. Je me dis, c'est même bagaille, presque. Son système de pointage, il a gardé niveau d'études, il a gardé connaissances linguistiques, il a gardé est-ce que ou qu'on vient Québec déjà, est-ce qu'on voyage ici, est-ce que ou t'es étudié ici, est-ce qu'on gagne famille ici. Ça a eu les capacités d'adaptation. Pour compétences linguistiques, l'est obligatoire pour passer un test en français maintenant. Avant, il y a un paquet de monde qui est anglophone. Quand il y a qui par contre GAGA en français, mais qui était passé dans Arima, puisque c'est un système de pointage. Il y a un bon point pour l'ajout, expérience de travail. Et niveau diplôme ou gagné pour faut dire pour plus petit faut qu'on finisse études classiques, OK, donc faut finir l'école. Si on finit l'école ou on point second diplôme professionnel à pour finir l'école d'un an ou deux ans ou une quantité point, si on gagne une licence ça nous le baccalauréat pas bon ici il y a une quantité point, si on maîtrise ou une quantité point, si on doctorat ou une quantité point, et puis il y a bon point pour l'ajout. Tant que plus jeune, ou gagne plus points. Fon dit au moins faut gagner 18 ans. OK, pour participer dans programme ça. Et ni Entrée Express ni Arima. Mais à partir de 43 ans, il y a pas bon point pour l'âge. Mais c'est pas un problème. Si on gagne 43 ans, fait 0 point pour l'âge. Parce que au moins on va gagner n'importe 10 ans d'expérience. Bon, c'est vrai que il pas besoin de toute expérience ça, c'est environ 48 mois. OK? Mais un jeune monde qui a 20 ans, il est capable de faire tout point pour l'âge parce qu'il est jeune, mais il n'a pas gagné autant d'expérience que vous-même. Je ne connais pas en créole, sauf dit dans la langue, ou après dans l'âge. Donc, si vous un jeune âgé ou perdu point pour l'âge, mais vous avez gagné en termes d'expérience. Pas oublier que son système de pointage que lié. Et puis, ou même, ou pral chita nan bassin. Hein? Et puis, le gouvernement, lè li fait tirage. Selon point qu'on gagne, faut dire que moun ki te fait pipiti point nan dernier tirage ou encore dernier ronde d'invitation Québec voye, hein? Li te fait 591 points. Alors, pour moun ou capable et participer dans le programme ça, faut aller sur le site gouvernement du Québec ou créer un profil nan Arima. OK, il faut qu'on passe un test de langue, faut qu'on fait évaluer diplôme. Différence qui gagne avec Arima, on capable créer profil là sans qu'on pour passer test de langue. Sans qu'on pour faire évaluer diplôme. OK, mais pour Entrée Express, surtout pour langue là, faut passer test là sinon pas capable créer profil là. Et puis grande différence, on veut les faire la question test de langue Québec et question Arima avec Entrée Express. Alors, pour Entrée Express, il dit faut qu'on gagne, on dit sous passant test en français, faut qu'on gagne, faut qu'on fait pour PPT 7, ok? Faut qu'on niveau 7 pour les 4 compétences linguistiques, à savoir compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Alors, ce que pour le Québec, dans Arima, il dit faut qu'on fait pour PPT 7 pour compétences orales. Pour le Québec, c'est ça qui est beaucoup plus important, faut qu'on fait pour PPT 7. Pour compréhension orale avec expression orale, les deux. Et puis, il y a une particularité que Arima lui-même lié, parce qu'il y a des mounes qui ont même à vivre ici au Québec avec un statut de travailleur étranger. Et bien, moun sa aussi, il y a une offre d'emploi validée et que il y a un job qui est à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal.
moun sa yo yo pa bezwen prouve kapasite yo an franse. Eh bien, nan 1384 moun sa yo te invite. 18 ki sot passe la, gen de moun kon sa. Gen de moun ki isi deja ki te aplike. Parce que, sou ma ki logik. Si moun nan deja travay pa bon isi, se yo ke loun ti franse sou li deja. Ok? Et d'habitude, le moun yo gen on permis de travay comme travail étranger temporaire. Et normalement, c'est 2 ans. Donc, on est capable de prendre un petit coup français, tout ça. Donc, mais si vous êtes à l'extérieur, c'est une obligation. Et pas oublier que, moi, je dis comme ça, que au monde qui est à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, parce que Montréal, grand en pile, c'est environ 52 kilomètres, et mon paquet de municipalités qui merge, ok, et qui fusionne, ok, en français, avec Montréal. Exemple, sur Laval, ou toujours dans communauté métropolitaine de Montréal. Sur Kirkland, ou toujours dans communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on à l'extérieur. Mais même si nous sommes étrangers, ok, ici, si nous venons de job, c'est en dans ça là, en dans communauté métropolitaine de Montréal, ou venons de job là, il faut qu'on passe ce test là. Vous voyez la différence? Pour le monde qui connaît Montréal, ça veut dire que si vous avez un job Laval, même lorsque vous êtes ici, en tant que travail étranger temporaire, fuck job ça, en fait, faut que même vous passez test de langue. Par contre, si vous venez Saint-Jérôme ou encore Granby, vous n'avez pas besoin parce que zone ça est à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Merci parce que tu as regardé la vidéo ça que le cabinet d'immigration résidé au Canada pour vous dans la série capsule qui relève Immigration Canada recto verso et qui est présentée par Dudo Georges, un consultant en immigration qui reconnaît et par gouvernement fédéral Canada et par gouvernement provincial Québec. Merci, on se croise dans la prochaine vidéo. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidés au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme. Au 514-418-9898 si vous êtes au Canada. 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil.